Salut les amis, bienvenue pour ma nouvelle vidéo apiculture. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la rénovation et à l'entretien d'une ruche ou d'une ruchette parce que c'est la même chose. Alors, je te conseille de découvrir ça, tu verras, ça va être super cool. C'est parti! Il ne reste plus qu'à mettre des abeilles. Salut les amis, bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, et comme vous me l'avez conseillé, on va parler un petit peu de l'apiculture et notamment sur la restauration d'une vieille ruche. Donc comment restaurer sa vieille ruche ? Alors l'entretien d'une ruche et également l'entretien d'un rucher est très important, que ce soit pour la santé de l'abeille, pour éviter les maladies et les parasites, mais aussi pour forcément valoriser vos colonies et forcément valoriser le côté esthétique de votre rucher. Forcément, dans mon cas, je vais te parler d'une ruche d'Adam ou alors d'une ruchette parce que c'est exactement la même opération sur les ruchettes, mais cependant, c'est valable sur les varets, sur les langstroth et je passe tout un tas de ruches. Concernant les outils, on va avoir besoin de différents petits outils et également d'une machine. La machine, ça va être la ponceuse qui va me permettre d'affiner les parois de ma ruche, donc les parois extérieures, jamais l'intérieur, mais ça, je vous expliquerai ça encore une fois après. Ensuite, on va avoir besoin d'un tournevis plat, d'un tournevis cruciforme, on va avoir également besoin forcément d'un pinceau, d'un chalumeau et d'un pot de peinture qui va me permettre forcément, dans mon cas, de peindre ma ruche. Alors on va commencer par le commencement forcément, j'ai commencé par défaire mon toit et défaire le nourrisseur, ça c'est la première étape que j'ai posée sur le côté. Là pour l'instant ils sont encore là, sachez et pour information que le nourrisseur on ne va pas le peindre, c'est la seule partie de mes ruches que je ne peins pas qui va rester telle quelle puisqu'elle est paraffinée et donc la peinture ne pourra pas résister dessus. Ensuite, une fois que j'ai retiré mon toit et mon nourrisseur, je vais pouvoir travailler mes cadres. Alors je laisse forcément dedans pour commencer, comme ça déjà toute la cire va tomber à l'intérieur. Et ça me permet de faciliter le travail, notamment pour gratter la propolis, pour gratter la cire qu'il y a sur mes cadres. Et donc pour cela, je vais utiliser la spatule. Une fois que j'ai nettoyé l'intégralité de mes hauts de cadre, je vais pouvoir les retirer à l'aide de mon tournevis plat qui va me permettre de les extraire parce qu'ils sont collés et ils sont propolisés à l'intérieur de mes crémaillères. Une fois que j'ai retiré l'ensemble de mes 12 cadres, parce qu'ici je travaille sur une ruche d'Adam 12 cadres, je vais pouvoir nettoyer l'intérieur de ma ruche, c'est-à-dire gratter avec ma spatule, et je vais pouvoir, si besoin, commencer à brûler la première étape. Alors personnellement, je préfère brûler ma ruche en fin d'opération, comme ici c'est le cas, donc là je ne l'ai pas encore fait. Une fois que je l'aurai remontée, je vais pouvoir brûler, et enfin elle va attendre les beaux jours pour pouvoir accueillir les nouvelles arrivantes, les nouvelles abeilles qui sont déjà en ruchette et qui attendent de travailler. Alors dès que j'ai terminé de gratter l'intérieur, je vais commencer par enlever les parties métalliques qui vont me permettre justement après de réaliser le ponçage. Donc pour ça, j'utilise mon tournevis ou alors la visseuse si besoin. Je vais supprimer la portière d'entrée et je vais supprimer les poignées de transport. Donc ça, je vais mettre ça sur le côté. D'ailleurs, ils sont ici et ils vont pouvoir être vissés une fois que ma ruche est peinte. Opération terminée, je vais pouvoir enlever mon fond, le retirer pour justement le nettoyer. C'est la partie et une des parties les plus sales de votre ruche que vous devez nettoyer systématiquement au moins une fois par an. Idéalement, je le fais au printemps, notamment avec les planchers plastiques. Cependant, j'essaye de le faire deux fois par an, notamment sur mes ruches en bois où justement les impuretés vont coller davantage, ce qui permet d'avoir des ruches plus saines. Donc je vais gratter à l'aide de ma spatule mon plancher, je vais en même temps le brûler encore une fois, ou alors je le réalise à la fin comme je vous disais tout à l'heure. Et ensuite je vais pouvoir travailler le ponçage. Donc j'ai commencé un ponçage assez dur avec un grain de 80, puis une fois que j'ai terminé au grain de 80, je vais terminer par un grain de 120 ou 180 qui va me permettre justement de faire adhérer la peinture. Concernant la peinture, ici j'ai choisi une peinture à bois de chez Rust-Oleum qui sera ensuite protégée avec de l'huile que je viendrai mettre en surface pour augmenter la longévité et la tenue de cette peinture et de ma ruche. D'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver tous les coloris de cette peinture dans la description de la vidéo. Vous allez voir, il y en a des super jolis. Vous allez pouvoir également fabriquer votre peinture. Et ça, je vous avais fait un tuto il y a quelques années que vous allez pouvoir retrouver là. Vous allez voir, c'est pas mal aussi. Donc là ici c'est un bleu encre qui a l'air assez cool. On verra bien ce que ça va donner avec les beaux jours et surtout dans le jardin avec le vert et les abeilles qui butinent.
Alors comme je vous le disais tout à l'heure, sur de la vieille ruche ou sur de la neuve, on ne peint pas à l'intérieur, ni même on ne huile pas l'intérieur de notre ruche. On va laisser brut, on va pouvoir peut-être waxer avec de la cire, ou alors frotter les parois avec de la mélisse, qui va permettre peut-être d'attirer vos abeilles, mais aussi de permettre de les conserver à l'intérieur, parce que l'odeur pourrait changer l'ambiance de ma ruche. Donc je répète un petit peu les dernières grandes opérations, on a poncé, ensuite j'ai peint et on va pouvoir compléter une fois que c'est sec avec de l'huile pour protéger encore une fois. Opération terminée, maintenant on va pouvoir remonter la ruche et ça va être mon opération. Avant tout ça, forcément, vous allez pouvoir brûler. Donc vous allez prendre le fer à souder et insister sur les parties cachées pour éviter tous les germes nuisibles pour le développement de vos abeilles. Donc ça c'est une opération à réaliser vraiment très sérieusement. Enfin, la dernière opération va consister à remettre toute la calcarie, on va remettre notre portière d'entrée, on va remettre nos poignées et on va également remettre les vais qui vont permettre de fixer mon plancher à mon corps de ruche. Alors forcément, quand je fais une ruche, j'essaye de faire la série complète et j'essaye d'alterner les couleurs justement pour avoir des beaux ruchers premièrement, mais aussi pour faciliter et éviter la désertion au niveau de mes abeilles. Voilà, j'en ai terminé avec ma vidéo, mais j'en ai pas terminé avec ma ruche, donc là, je vais aller m'activer. N'hésitez pas à découvrir les autres vidéos apiculture au travers de ma chaîne, notamment sur la division, ou alors bientôt, très prochainement, sur l'élevage des rennes, et également toute la partie jardinage, justement, qui va servir à la fois pour les abeilles, mais aussi pour vous en tant que jardinier. Alors si toi aussi, t'es un apiculteur et un jardinier comme moi, tu peux faire un petit pouce bleu et partager la vidéo. Allez, à très bientôt les amis, moi je m'en vais terminer, et on se retrouve très vite pour d'autres tutos.